C'est une histoire de port. C'est une histoire d'être un endroit suffisamment ancré à cet endroit pour pouvoir en partir. Un moment de poésie rien que pour lui. Alain est immobilisé depuis une opération il y a 3 semaines et ce matin-là, il ne s'attendait pas à trouver une artiste à sa fenêtre. Nous ne savons pas ce qui de l'autre est de nous. Ah, ça fait très plaisir. Je savais qu'il y avait une opération sur Vaour, mais je ne m'attendais pas à ça, quoi. Puis j'ai trouvé très joli, quoi, là. Le petit texte et le petit travail qu'elle a fait, quoi. C'est bien, ouais, c'est touchant, ouais. Faut que je le digère un peu, quoi. Après cette année difficile pour tous les artistes, la poète, elle, était heureuse de pouvoir partager à nouveau son art. Je suis en résidence, là, et je suis partie pour venir... pour être là, pour être en relation. En fait, j'ai un travail qui est en relation avec l'autre, qui n'est pas fait pour rester que pour moi. Pour l'association à l'origine de l'initiative, ces cadeaux artistiques permettent de continuer à créer du lien social, malgré le contexte sanitaire. Au dernier confinement, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve une idée pour faire du lien avec tous les gens qui habitent loin, qui sont peut-être seuls, qui n'osent pas sortir parce qu'ils sont fragiles. Et donc on s'est dit, tiens, sur notre secteur, on a beaucoup d'artistes, donc pourquoi pas essayer de faire un cadeau artistique à ces personnes. Mais confinement oblige, l'essentiel de ces performances artistiques ont été filmées, puis offertes sous forme de vidéo. C'est beau! Guylaine, elle, a reçu un petit film enregistré par un couple de musiciens. Je suis émue, ça me touche. Ça restitue peut-être la chose la plus importante, qui est le lien qu'il peut avoir entre les gens. Près de 40 artistes du village et ses alentours ont déjà participé à l'initiative et de nouveau continuent à les rejoindre pour partager leur univers et pour prendre soin des autres. Ouais, on est très contente de te faire un cadeau pour que ta journée soit belle.